Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Enelia. Enelia c'est une de mes juments, une jeune jument d'un point de vue travail. À la base c'est une jument de randonnée. Donc là je suis en train de la mettre sur le travail de saut. Alors c'est une jument, là c'est son troisième cross qu'elle est en train de faire. C'est une jument qui n'a jamais sauté des barres d'obstacles en carrière. Je l'ai directement amenée sur l'apprentissage sur des obstacles fixes. Notamment pour qu'elle respecte les barres, c'est du petit, des petits sauts, et qu'on se concentre vraiment sur l'amplitude, sur le fait de bien avancer, et sur des obstacles qui n'ont pas besoin d'une énorme direction pour l'instant. Voilà, donc là on va voir petit à petit que la jument, ben, forcément elle a ses difficultés, j'ai aussi les miennes, où des fois je ne l'aide pas. Donc, Enelia. Enelia, c'est une jument qui a un équilibre qui est assez précaire parce qu'elle est très en avant. C'est une jument qui n'a pas encore appris à mettre tout son poids à l'arrière. Donc, on est en train de petit à petit emmener ça vers le dressage, sur le plat. Donc là, je suis en train de la faire passer sur un guet. Donc, pareil, elle passe les guets en randonnée, mais sur le cross, jamais. Donc là, ce que je fais, c'est que j'aborde l'obstacle en rentrant d'abord dans la flaque. Donc ça, c'est la première fois que la jument fait ça, sauter un petit tronc derrière. Donc là, on va aller... pareil, on va traverser. Le but, c'est que vraiment qu'elle aille droit dans la flaque, qu'elle saute un autre obstacle où elle n'avait pas décidé. Et on voit qu'elle hésite, la direction n'est pas très propre. Là, elle va me tirer vers le bas, parce qu'elle regarde, elle a une telle force dans sa bouche, même si je suis en mort. Elle m'emmène vers le bas, je n'arrive pas à lâcher mes rênes et à la laisser. Là, c'est beaucoup mieux, parce qu'elle avait déjà sauté une première fois. Donc là, le but, c'est d'aller droit dans la flaque, et petit à petit, pouvoir enchaîner. Donc là, je saute le tronc, j'atterris dans la flaque. Je saute le tronc, donc là aussi, petite foulée qui n'est pas très correcte, et petit à petit pour aller vers sauter le tronc, le petit tronc qui est en face. Donc là, elle prend une longue. Voilà. Donc là, le but, c'est qu'aussi la jument apprenne à se débrouiller un petit peu, mais surtout que je la lâche pas avant les obstacles. La difficulté que j'ai est de surtout pas partir en avant avec elle. Là aussi la grosse difficulté que j'ai. Donc là on va procéder à l'enchaînement avec le ster, la palissade qui est derrière. Là elle est à faux, je vais la remettre. Pareil, là c'est un manque de travail encore sur le plat, parce que là mon deuxième départ n'est pas encore correct, et on va enchaîner sur un obstacle montant. Et je descends et j'enchaîne. La première fois qu'elle fait ça, j'enchaîne sur une ligne courbe avec l'obstacle où j'atterris dans l'eau.